Salut à tous, c'est Altis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur DMZ et aujourd'hui on va voir comment avoir des cartes graphiques parce que vous en aurez besoin, notamment pour débloquer vos slots d'armes. Les cartes graphiques c'est assez rare quand même comme item sur DMZ et aujourd'hui je vais vous montrer comment en avoir à tous les coups. C'est du garanti et ça se passe sur la map Vondel. Alors avant toute chose, n'hésitez pas à regarder déjà où on va et n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez de l'entraide, si vous voulez chercher des joueurs avec qui jouer. Que vous soyez sur PC ou sur console, n'hésitez pas, vous venez, vous passez en vocal dans le dispo DMZ, il y a des gens qui seront là, vous pouvez lancer des parties avec des gens, il y a toujours plein de monde qui joue, donc n'hésitez pas à venir, il y a une commu plutôt sympathique. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir aller sur Vondel sur une scène. Il y a deux scènes de concert avec des petits amplis, des petits micros, etc. qui sont sur la map. Il y en a peut-être plus, hein. En tout cas, là, on en a vu deux. Je vous montre deux options. Si ça se trouve, il y en a plus. J'ai pas vraiment fait gaffe. Et à chaque fois, sur ces scènes, en fait, il y a un petit sac avec un sac qui est verrouillé. Et pour l'ouvrir, il va falloir avoir la clé. Je voulais vous donner le nom tout de suite. Il va falloir avoir la clé du sac sur la scène. Alors, pour l'avoir, vous pouvez la farmer sur Vondel. Et puis, si vous ne l'avez pas, vous pouvez également avoir des passe-partout. C'est ce qu'on avait, nous. On a pris un passe-partout avec un sac sécurisé. On est allé sur la petite scène. Et je vous montrerai d'ailleurs dans la vidéo après la deuxième scène. Comme ça, vous verrez où est la deuxième. Il va me filer, regardez, hop, le passe-partout. Je vais ouvrir ici le sac et dedans il y a quoi? Il y a une carte graphique, on l'a refait plein de fois, on a essayé 4-5 fois, il y a eu à chaque fois la carte graphique. Donc une fois que vous avez vu, là j'avais, il y a mon ampli de guitare qui est là. Et donc voilà, vous avez juste à le mettre après dans un sac sécurisé, là je la file à mon mec qui la met dans un sac sécurisé. Et du coup c'est bon, on a la carte graphique assurée. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va vous montrer maintenant où est la deuxième scène. Et puis j'espère que ça a pu vous aider. Donc n'hésitez pas, regardez là je vous mets la map comme ça vous voyez où est la première scène. Et puis on va aller sur la deuxième. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous montre où est la deuxième, elle est en haut comme ça. À l'université, on va y aller ensemble, c'est parti. Allez, comme ça, vous courez tout au nord-ouest de la map Vondel et vous allez arriver tout au fond de l'université, là où il y a des camions et il y a une petite scène également ici. Vous allez avoir besoin d'un autre passe-partout et vous pourrez l'ouvrir. Et il y aura également une carte graphique dedans. Donc franchement, si vous avez un passe-partout avec deux ou trois crans, vous pouvez même faire les deux dans la même partie. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Et puis, bah, vous pouvez faire un petit concert avec vos mates après. En tout cas, si ça a pu vous aider, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également si vous voulez des astuces sur DMZ, des news sur DMZ. Je couvre toute l'actu, il y a du gameplay de temps en temps, etc. etc. Merci à tous d'avoir suivi tout ça. Je vous dis ciao à tous, c'était Altis, gros bisous et à très bientôt sur DMZ. Ciao à tous les amis.